Coucou à tous, sur mes cheveux j'ai un prépoux avec la Baggy méthode. Je reviendrai dessus sur un autre article et dans une autre vidéo. Donc mon prépoux c'est un mélange d'huile d'avocat, d'huile de coco et d'huile de ricin. Je libère tout ça et je me rends compte qu'ils sont vraiment emmêlés. Mais bon, on va s'en occuper tout de suite. J'en ai perdu ma pince, dis donc. Veillez bien à protéger vos mains, à mettre un vieux t-shirt, quelque chose que vous ne tenez pas, parce que ce mélange peut laisser des taches. Je vais appliquer cette préparation fraîchement préparée et comme d'habitude, je procède section par section. Et là, il faut vraiment veiller à mettre le produit à la racine. C'est vraiment le plus important, c'est vraiment de masser cette pâte sur le cuir chevelu et sur la racine de vos cheveux. Prenez votre temps pour bien masser votre cuir chevelu. Vraiment veillez à accorder du temps quand vous voulez réaliser ce genre de soin. Moi je choisis toujours le dimanche, vraiment un jour où je reste à la maison, où je sais que je peux appliquer ce genre de soins, faire ce que j'ai à faire, revenir, rincer, procéder à mon lavage, etc. Une fois que je sens que j'ai bien massé la mèche, je l'entortille et je la ramasse. Comme ça, ça m'évite de m'emmêler les cheveux et de savoir où j'en suis, ce qui est nettoyé et pas nettoyé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On prend un peu de produit, on met sur sa racine, on masse, on reprend du produit si nécessaire, on masse bien ses racines, son cuir chevelu, on l'entortille pour pas s'en mêler les cheveux et on passe à la section suivante. Voilà, je vais continuer hors caméra et vous montrer comment je protège mes cheveux pour la pose, parce qu'il faut laisser poser au minimum une demi-heure. Moi, je vais laisser une bonne petite heure. Donc voilà, moi, j'enroule de cellophane, donc 2 fois et demi. Et ensuite, je mets mon bonnet en satin. En fait, il est vieux et je le garde justement pour ce genre de soins. Je le trouve super pratique. Mi bonnet, mi foulard, donc voilà. Je vais vaquer à mes petites occupations, le temps de laisser la poudre de Brami agir. Voici l'étape du lavage. Donc comme c'est un nettoyant, je ne vais pas faire de shampoing, je vais faire un co-wash, c'est-à-dire que je vais utiliser mon après-shampoing favori pour laver mes cheveux. Mais d'abord, rinçons toute cette poudre qui se trouve dans mes cheveux. Il faut vraiment bien rincer, abondamment. Donc là, je suis en train de constater les dégâts que la poudre a fait dans ma salle de bain, mais c'est pas grave, un coup de rinçage et ça part très vite. Donc je rince bien en massant mon cuir chevelu pour préparer au lavage. Donc ensuite, je vais me saisir de mon Vibrant Tresemme Naturals. Donc voilà, moi comment je l'applique, je mets une dose dans la main, puis j'en prends une petite quantité et voilà, par section, je masse mon cuir chevelu, donc assez vigoureusement pour être certaine que tous les résidus de la poudre Brami s'en aillent. Bien sûr, la dose que j'ai prise n'est pas suffisante pour la touffe que j'ai, donc j'en reprends un petit peu, beaucoup pour l'arrière de la tête et je fais pareil, je masse vigoureusement. Une fois que j'ai bien massé ma chevelure, je la ramasse avec une petite pince et je vais laisser agir au moins 5 bonnes minutes.
Voici la deuxième partie de mon co-wash. Je démêle toujours mes cheveux mouillés sous la douche avec de l'après-shampoing. Jamais sec. Donc je commence toujours par les pointes et tout doucement je remonte vers la racine. Ça m'évite de casser mes cheveux. Et vraiment, j'utilise là une brosse la plus basique qui soit. On appelle ça Chita en marocain. Oui, Chita. C'est une brosse qui coûte à peine 1 euro et qui, pour mes cheveux, durant le lavage, les démêle très très bien. Je repasse au rinçage à l'eau tiède et sincèrement, rien que là, je vois une différence. J'arrive facilement à passer les doigts dans mes cheveux, ce qui est très bon signe. J'ai fini ma petite toilette hors caméra et je voulais vous montrer donc de plus près ce que ça donne. Et franchement, je les sens plus forts.